Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc ça y est, je suis revenue à la maison. Vite fait, donc j'ai la petite fiancée à Nirvana qui arrive, mais en attendant, je me suis dit je ferais bien du serviettage. Une fois, on m'a demandé ce que c'était que du serviettage. Donc du serviettage, il faut des serviettes. Serviettes pour s'essuyer. Hein. Serviettes, là j'en ai une, donc comme ça. J'en ai une comme ça. Et j'en ai une comme ça. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire pour, vous savez, les jours où je note ce que je mange, les jours où je dérape. Et donc, je me suis dit, eh ben, je ferais bien du serviettage et je vais en profiter pour vous montrer comment on fait. Donc, on prend celle-là, par exemple. Donc, serviette classique, rien de particulier. Donc, on la déplie. Et on va enlever les épaisseurs blanches qui sont derrière. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a deux. Souvent, il y en a deux. Donc, pour les enlever, alors, soit on se galère à essayer de la choper sur le côté. Ah ben, ben là, je ne vais pas me galérer. Vous voyez, là, il y en a une. Et il y en a une deuxième. Vous voyez? Donc là, j'enlève les deuxièmes, les deux. Alors, par contre, il y a un truc qui m'intéresse du coup. Il ne faut vraiment pas que je la déchire. Parce que vous voyez, il y a la petite serviette, et là on voit l'encre qui s'est mise sur le côté blanc. Et peut-être je vais prendre celui-là en fait. Parce que je me suis dit, si j'écris sur ça, on va pas trop voir. Donc, alors on y va tout doucement parce que c'est cette partie-là que j'aimerais garder. C'est vraiment léger par contre. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais quand même prendre celle-là. Ouais, mais c'est des... Je sais pas quoi faire. Non, je garde celle-là quand même. Et après, c'est super simple. Soit, alors selon le support, en fait, soit... attendez, je vais essayer de mieux. Parce que j'ai pas mon support de d'habitude. Encore dans la valise. Soit vous prenez de la colle blanche là en toute liquide, vous collez bien dessus sur votre support et après sur votre serviette et voilà, ça va se coller dessus. Ou soit vous prenez de la colle bâton, moi c'est ce que je vais faire pour mon bullet journal. Voilà, donc moi je vais faire ça. Donc vous en collez toute la partie désirée. Alors il va falloir une petite page là. Je vais faire petite pause alors que je me trompe pas. Donc on met de la colle. Donc là je vais en mettre partout. Donc vous pouvez le faire aussi par exemple si vous avez prends cet exemple-là. Si vous avez envie de prendre que cet espace-là, vous pouvez, en fait. Ça marche pour tout. Voilà. Ensuite, je vais coller la partie qui me plaît. Ouais, pour écrire, par contre, je sais pas. Si je fais celle-là, ça va être trop juste. Non, je fais celle-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je mettrai des petits carrés, on verra plus tard. J'ai envie de mettre ça. Je garde sur cette idée-là. Hop, vous posez donc votre serviette. Du mieux possible. Et voilà, vous avez fait du serviettage. Tout simple, hein?
Donc, je vais coller de l'autre côté. Hop. Donc là, je vais coller cette page-là aussi. Voilà. Et voilà, mes petites pages sont décorées. Je vais couper. Alors, soit on déchire, soit on coupe, on fait comme on veut. Hein. Est-ce que j'ai mon petit cutter là sous le coude? Non, je l'ai pas, forcément, je l'ai pas. Est-ce qu'il est là-dedans? Là, est-ce qu'il est dans l'autre? Je vais prendre ce petit cutter là et je vais couper là tranquillement. Voilà, même si c'est juste voilà, déchiré, c'est pas grave. Ça fera un effet déchiré. Voilà. Et là, je vais couper. Et voilà. Et voilà, mes pages sont colorées aux couleurs de la serviette. Et c'est ce qu'on appelle donc le serviettage. Je vais faire la même chose sur l'autre page. J'ai assez. Soit je fais en deux morceaux, soit je fais autre chose. Soit j'en prends une autre, je fais celle-là. Je sais pas, qu'est-ce que je fais. Donc ça, je prends celle-là. Je garde celle-là pour ça. Ouais, je vais faire deux morceaux là. Je vais prendre le suivant. Je vais prendre sa jumelle, comme ça, ça suit l'image. Là, au niveau de la grandeur, je vais plier dedans. Ouais, je vais plier dedans. Je ne vais pas trop m'en faire. Hop, du coup, je recolle. Je vais coller là aussi. On peut coller par-dessus, hein. Ça va se. Comme c'est un peu, comment dirais-je, perméable, hop, on laissera sécher et puis. Ouvert, ça se sera bien collé partout. Et puis, comment j'écrirai dessus? Je sais pas, peut-être j'en ferai des carrés avec mes chutes. On verra. Hop, comme ça, bah, le dessin se suit, c'est joli.
Il y en a qui n'aiment pas avoir des petits plis. Moi, je m'en fais pas de trop. Hein. Je ne fais pas trop de soucis, moi, avec les choses. Voilà, comme ça. Ça va bien se coller. Et je vais coller là. Ça, ça va venir dans l'intérieur. Voilà. Tac. Et je vais coller cette partie-là. Comme ça. Je couperai. Voilà. Donc, dans ce sens-là, choupette qui va rentrer. Voilà. Et je vais couper comme tout à l'heure. Tranquille au cutter. Voilà, un petit coup de ciseau. Ah, mais c'est sûr. Mais oui, mais c'est sûr. Hop, hop. Mais oui, ma beauté, où ma beauté. Sans les ciseaux. Voilà. Tu n'avais pas de propre pour mettre sur mon bullet, toi? Tu reviens dehors quand même. Voilà. Là, je décolle. Et je coupe. Le surplus. Donc je vais laisser sécher, je vais mettre un stylo pour pas que ça colle les pages. Pareil. Et voilà. Voilà ce que c'est que le serviettage. C'est tout simple et il faut pas beaucoup de matériel hein, pour le coup là, de la colle et une serviette. Et de la patience. Voilà pour ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut !